Bonjour tout le monde qui sont en couple et tout, tout ça, nanana, j'ai tout cas pour dire. À un moment, il y a des mecs qui m'appellent sur mon téléphone, qui m'envoient des messages, qui disent de ne pas parler à leur meuf et tout ça, nanana. Il y a aussi des mecs qui m'envoient des messages sur Facebook, qui me menacent, me disent de ne pas parler avec leur meuf. Moi, je m'en bats les couilles, c'est ta meuf, tu sors avec elle, j'ai rien à foutre d'elle, tu vois. Ce que je veux dire, c'est mon ami, je pars avec elle quand je veux. Mais c'est ce que tu comprends pas, c'est ta meuf, t'es marié avec elle, t'as amené l'argent chez sa mère, t'as amené les maraïs, tout ça, nanana. Parce que si je dis que c'est ta meuf, le jour que tu l'as quitté, tu vas parler de l'ambassade, tu me l'aimes fait. Arrête de dire n'importe quoi, va commencer à me filer, moi je porte de personne, tout le monde me connaît déjà, tu vois, je vais dire un truc, tu vois, tu veux dire. Une fille, si elle veut baiser avec un mec, elle peut baiser avec qui elle veut, tu vois. Si elle veut baiser avec un mec, elle peut baiser avec qui elle veut, tu vois. C'est pas ta femme, tu sors avec elle, c'est ta petite amie. De là, demain, tu vas la quitter. Donc laisse-la la faire sa vie comme elle veut, comme elle peut, tu vois. Ne va pas la dire que je vais te casser la gueule, je vais te taper, je vais te faire ça, nanana. Laisse-la faire sa vie comme elle veut. Arrête de dire ma femme, ma meuf, t'es pas marié avec elle. Si c'est vraiment que tu l'aimes, va chez sa maman, amène l'argent, amène qu'est-ce qu'il y a à faire pour faire le mariage. Mais t'es là, c'est ma meuf, je t'aime, tu couches avec elle, le lendemain, demain, tu la quittes. Ça se passe, wesh, c'est n'importe quoi, wesh. Surtout sur ma mère, t'as des gens qui sont bizarres, ils arbitrent, ils veulent menacer, ils me disent, ouais, voilà, que c'est ton collègue, on va te casser la gueule. Viens voir si on casse la gueule, je vais rentrer avec moi, je vais te montrer que je vais de Marseille, voilà, c'est dur que tu parles de personne, tu vois. Et là, tu dis, ouais, arrête pas à ma copine, tu vois, c'est pas quoi. Hé, va te faire reculer les autres. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux dire, c'est clair. Si elle couche, elle peut coucher avec qui elle veut. C'est ça, certes, tu sors avec elle. C'est ta meuf, voilà, tu sors avec, tu vois, je veux dire. Mais c'est pas ta femme. Soit disant, si t'as enlevé l'argent pour te marier avec elle, t'as fait le mariage. Là, tu aurais été content et d'accord que c'est ta femme. Mais les meufs, faites votre vie, n'aie pas peur de vos mecs. Si tu sors avec lui, tu l'aimes. Genre, assume, tu l'aimes pas, fais ce que tu veux, meuf, n'aie pas peur des meufs, tu vois, c'est pas ta femme. Si il te menace, il te frappe, tu vas porter plainte dans la mairie. Si la gendarmerie fait rien, tu vois, tu vois pas que ça marche pas, tu fais quoi, tu dis à la gendarmerie qu'il tape et tout ça, nanani. Si ils font pas, ils font rien, tu dis à tes parents, tu vois, que ton mec qui te maltraite et tout ça, et là tu vas voir que dans l'heure, tu me dis que j'avais peur des meufs. Les meufs sont pas tous pareils, tu vois, je veux dire, parce que moi j'ai dit là, qu'est-ce qu'à dire aujourd'hui, tu vois, je veux dire, pas, parce que là, à la fin, elle a marre de parler. Tout le monde me connaît, c'est ma plus loin la production. Où tu vas être, tu vas savoir qui je suis, tu vois. Parce que moi, tout le monde me connaît, tu vois, j'ai des bandits partout, j'ai des amis partout. Tu vois, si je viens me chercher la merde, tu veux me casser les couilles, viens, tu vas voir un truc, je t'amène mes gars sur, tu vas voir que tu vas pleurer. Parce que tu vois, Kaweli là-bas, ils disent que Kaweli c'est des gens dangereux. Gens dangereux. Non, viens, les gens de Kaweli, je les amène à Cartier là-bas. Je les amène à Cartier Nord, à Marseille, là-bas, ou à Cartier des Balieux, là-bas. Ils vont voir un truc que là-bas, ils s'est choqué ici. Parce que là-bas, on est calme, tu vois. Là-bas, c'est vraiment des comptes, c'est des balles qui parlent. Tu vois, nous, ici, c'est des coupes-coupes et tout ça, là, ou de vous l'arracher. C'est quoi ça? Faites votre vie. Ta mère, t'as mis au monde pour aller à l'école, pour chercher un travail, un temps pour que tu vas à l'école, pour du travail, pour que tu te fasses sous. Mais voilà, on a marre que vous me cassez les couilles parce que c'est nous les gens de Mayotte qu'on prend sur nous, tu vois. Moi je suis venu sur Mayotte pour mettre ce clair. Parce que certes, Mayotte, c'est le même département. C'est le même département. Mais cool, wesh, y'a rien à faire, wesh. Tu vas voler quelqu'un et il a fait ce travail dans ta mère, ta maison de monde, pour que tu vas à l'école, pour que tu te sous. Tu vas pas qu'à voler quelqu'un pour acheter du chimique ou du mango, du cigarette. C'est des lumières, j'ai fini, va chercher le travail, va chercher une formation, va à l'école, cherche de l'argent. Mais va pas faire le dealer, le drogué, parce que merde, c'est pas petit, c'est pas chaud. C'est des petits bandits, des petits gars, des merdeux, tu vois. Des merdeux, moi je veux dire, ici à mettre que des merdeux, des gens qui sont en groupe, qui s'amènent. Moi, les merdeux là, je te jure, si c'était gendarme, on a toujours la pliao. Mais c'est ça ton copain chat, c'est ça que sinon, mais j'ai mis des masques. Parce que là, ils ont dit dans même temps. Tu vois, parce que c'est là que j'ai découvert de la merde là, parce qu'à la fin il a marre, tu vois. Du coup, moi la production, je vais vous dire un truc, sorte, vous êtes là, vous dites Mayotte ceci, Mayotte cela. Mais en France, c'est pire que Mayotte parce que là-bas, il n'y a que des balles qui partent. Moi j'ai fait l'arrivée de compte, moi j'ai vu beaucoup, moi j'ai vu des morts, j'ai vu des gens qui sont partis aussi. Et il y a des potamans qui se fait tuer dans mes yeux, j'ai vu dans mes yeux la mort c'est quoi. Mais là ici à Mayotte, c'est rien du tout, c'est de la merde. Parce que là, il y en a qui t'apportent déjà des flics, de la police qui sont là, qui cassent les couilles, que Caroline c'est chaud, Caroline c'est chaud. Caroline c'est pas chaud, tu vois. Le jour que je vais être en colère et m'énerver, je vais appeler Marseille, mes potes de Marseille, de tout quartier nord là-bas, et tous mes amis qui sont là-bas, qui traînent, les vrais bandits, les vrais soldats de Marseille, je vais les appeler un jour, et on va cotiser de l'argent, je vais tous les amis à Caroline, je vais leur montrer c'est quoi les bandits. Parce que ici,
Si tu crois que t'es un bandit, tu vas t'amener des vrais bandits et tu vas voir c'est quoi les bandits et c'est quoi les soldats. Parce que c'est ce qui est des merdiques. Et moi, je vous garantis, je vous promets que je fais ça. Je vais parler au procureur de Mayen, je vais parler au chef de Mayen, je vais parler aux flics. Je vais m'arranger avec eux, je vais discuter avec eux, que je vais appeler les potes de Mayotte, de Marseille, pour voir ce qui les bandits et les voyous. Parce que c'est comme ça, les gens font de la merde, font des grands gens pour eux, pour leur montrer c'est quoi le voyou. Parce que eux, ils croient que c'est des voyous, c'est pas parce de la police. Mais moi, je vous dis un truc, je vous prenez les bandits de Karoni, de Mamoudou, de ça, je sais pas où. Je vous prends la parole, j'ai une parole. Et là, je vais vous montrer que Mayotte, ça va être tranquille au KLM, il n'y aura plus de bandits, de soldats. Moi, je vais vous montrer c'est quoi les vrais bandits, les vrais soldats. Parce que là, j'en ai marre d'être dans Mayotte. Elles viennent là-bas, elles viennent en ici, ceci, cela. Ça va être fait clair. Parce que ici, vous croyez que vous êtes des soldats, des bandits, des voyous, je sais pas quoi. Moi, je vais te marcher, je vais te montrer un truc que tous les gens qui sont là, qui veulent dire nanana. Je vais amener des vrais voyous de Paris, de Marseille, de Nantes, de Dijon, de Limoges, tout ça. Tous les quartiers chauds. Je vais les appeler et je vais parler au procureur de Mayotte, au préfet de Mayotte et tous les gens que je connais sur Mayotte là, je vais les parler et leur dire si Mayotte ne change pas, il faut les amener des grands gens et des grandes personnes qui font la loi en France là-bas. Moi je vais les amener, ils ne peuvent plus en prison là-bas, ils sont sortis. Je vais tous les amener ici à Mayotte, on va aller voir les bandits, les voyous. Si eux croient que c'est pas pour la police, on va les montrer, on va mettre au clair Mayotte, ça va plus être dangereux, ni délinquant, tout ça, ça va finir. Et là, c'est la personne qui parle. Et moi, je ne sais pas. Regarde, si j'ai un truc, tu le fais. Et vous allez voir, bande de voyous, c'est qui les voyous, bande de connards que vous êtes.